toi Jésus, dans ma vie je ne serai plus le même. Je serai une nouvelle créature et toute ma vie sera toi. Nous allons prier jusqu'à ce que tout change. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu détruise les œuvres du diable dans ta vie, dans ta situation, dans ta maison. Que les choses changent dans le nom de Dieu. Assez, c'est assez. Je lui dis assez, c'est assez. Les enfants de Dieu ont beaucoup souffert. C'est le temps de se lever. De dire au diable assez, c'est assez. De dire à la malédiction assez, c'est assez. Le temps de la victoire est là. Le temps de la restauration est là. Le temps de la croix de Jésus. Que la puissance de la mort se manifeste. My God. Parce que nous sommes dans un temps de grande confusion dans les corps du Christ. Il est très difficile que les hommes et les femmes de notre génération fassent confiance aux hommes de Dieu, à ceux qui s'appellent pasteurs, à cause du dégât qui se font, des abus de confiance, des manipulations à répétition, de l'orientation déterminée de quérir l'argent, de prendre l'argent des poches des chrétiens, de tout faire pour s'enrichir derrière les chrétiens. Alors, j'ai souvent parlé de ça ici, ce n'est pas la première fois que je tiens ce discours ici. C'est un problème sérieux parce que les hommes de foi ont besoin d'être en face des vrais hommes de Dieu, des vrais prophètes du Seigneur. Alors, la dame là, de l'endetté, me dit, papa, notre famille, en tout cas, mes frères et sœurs, c'est difficile de croire en Dieu. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un évangéliste à Paris qui a pris la femme d'un de nos frères. Il a fait de cette femme sa femme. Et toute la famille est déchirée. La famille est humiliée. Ce sont des situations auxquelles l'Église fait face dans tous les sens. Ça se répète à gauche, à droite. Quand je dis ces choses ici, c'est pour vous aviser d'être vigilant. L'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne lisent pas la parole. Ne vérifie pas les choses dans la Bible. Ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et par conséquent, les manipulateurs font ce qu'ils peuvent faire. Ils font tous les dégâts possibles dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Faites attention. Il y a tellement d'esprits des faux prophètes dans ce temps ici. Et hier encore, le prophète de Dieu du Kenya a lancé un message dans les médias où Dieu lui a révélé un jugement qui va venir à RDC Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Et j'étais curieux parce qu'on m'a envoyé ce message à partir du Canada. Je lisais ça en pleine nuit. Je disais, waouh! Et cet homme de Dieu révélait que la colère de Dieu va s'abattre sur la RDC. Je disais, Seigneur, ces pays souffrent déjà, Seigneur Dieu de miséricorde. Comment on va prier pour que ça n'arrive pas? Il faut prier. Et la première chose, les faux prophètes. Dieu lui a révélé qu'il y a tellement de faux prophètes dans notre pays au Congo. Deuxièmement, l'immoralité sexuelle. Dieu lui a révélé qu'il y a une telle immoralité qu'il n'a jamais vue dans les autres nations. Les abus sexuels. Les gens se vendent, les hommes comme les femmes. Il y a un taux croissant des jeunes garçons homosexuels à Kinshasa. Vous n'avez aucune idée, c'est choquant. Quand on dit qu'il faut prier, ce n'est pas de la blague, il faut prier parce que nous vivons les instants les plus complexes de l'histoire de l'Église sur la face de la terre. Moi, je fais partie des groupes, comme vous le savez, des hommes de Dieu. Nous sommes en train de travailler dur. D'organiser des conférences pour des pasteurs, de les conscientiser à changer de cap, à honorer le Seigneur Jésus-Christ, à annoncer la vérité de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Si le péché est là, dit que c'est le péché. Amen. De ne pas avoir peur de dénoncer le mal. Amen. Et de faire un effort d'être un exemple, un modèle de foi pour les chrétiens. Amen. Alléluia. Nous demandons ce qui est le retour du respect du sacerdoce dans l'église. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le retour du respect de la chose de Dieu. Parce que si la chose est détruite dans le cœur de quelqu'un,
Si quelqu'un abandonne la foi pour le récupérer, ce n'est pas là. Patient, toi Jésus.